et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le petit nombre que nous sommes à huis clos dans cette église se veut en communion avec vous qui nous regardez derrière votre écran. Oui, nous voulons nous sentir ensemble en ces temps troublés où l'impatience de nous retrouver est grande. Demandons au Seigneur cette patience et cette confiance. Au commencement de cette célébration, tournons-nous vers lui et implorons son pardon. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse,
plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, et ses mains dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle par ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.
serez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit la somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent. À chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs survint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà j'en ai gagné 5 autres ». Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie du Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc ses talents et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jete-le dans la ténèbre extérieure. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour préparer cette liturgie, nous nous sommes retrouvés quelques-uns avec les jeunes de 18-30 ans. Et j'avais envie de dire qu'elle a raison, Méline, elle a raison de dire dans l'évangile de ce jour, c'est une histoire de confiance. Jésus nous dit dans la parabole qui nous parle du royaume de Dieu que ce royaume est comparable à un homme qui partait en voyage et confia ses biens à ses serviteurs. Il leur confia ses biens. La voilà la confiance. On ne confie pas ses biens à la légère. Et si cet homme les confie à ses serviteurs, c'est qu'il leur fait confiance. Dieu le premier nous fait confiance.
Il nous donne sa confiance comme l'homme de la parabole qui a confié des talents à ses serviteurs. Et puis, il y a notre propre confiance, celle que nous pouvons manifester en faisant fructifier les talents reçus. Cette confiance est celle qui a permis à Alicia, Claudette, Jade, Méline et Jessica de frapper à la porte de l'église pour demander le baptême ou la communion. Écoutons quelques-uns de leurs témoignages. Bonjour, je suis petit Alicia et je suis étudiante infirmière de deuxième année. Je me prépare au baptême grâce à ma grand-mère qui m'a donné l'envie d'entrer dans la religion chrétienne. C'est elle qui a commencé à m'apprendre un petit peu la religion. Elle m'a montré des choses, elle m'a fait découvrir des choses. Et du coup, je tenais à la remercier car j'ai pu entreprendre un petit peu les démarches pour commencer ce long chemin de 2 ans, mais qui aboutira justement à mon baptême. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en deuxième année de BTS Communication au lycée Condorcet. Donc je prépare en ce moment ma première communion, car c'est quelque chose qui est très important pour moi, car cela me permet d'en apprendre plus sur Jésus, mais aussi car je trouve que c'est une grande étape dans ma vie de chrétienne, où je décide moi-même de suivre le chemin de Jésus, et je trouve que cela est très important. Donc bonjour, je m'appelle Méline Julien. J'ai 20 ans et je suis étudiante en BTS communication au lycée Condorcet. Donc aujourd'hui, je demande ma première communion. Donc quand j'étais petite, vers mes 1 an, ma maman et mes grand-mères ont demandé à que je me fasse baptiser. Donc après, j'ai grandi, j'ai toujours su que Dieu il existait. J'ai toujours su qu'il était auprès de moi, mais je ne me suis jamais vraiment rapprochée de lui. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Après... Arrivée à mes 18 ans, donc j'ai passé le bac, donc malheureusement je ne l'ai pas eu. Donc j'ai été touchée d'une peine mais vraiment profonde, je pleurais toute la journée, je pensais que je n'allais jamais m'en remettre. Puis le jour même, je suis rentrée chez moi et je me suis ressaisie, je me suis dit « Mais Méline, pourquoi t'es triste ? C'est rien, il y a des choses qui sont plus graves dans la vie. » Et ce jour-là, j'ai su qu'en fait, c'était pas moi qui parlais, c'était Dieu qui me faisait passer un message et qui voulait me dire « Bon voilà, réveille-toi maintenant et avance, tu réussiras, c'est pas grave. » Il y a quelques années auparavant, pareil, ma grand-mère m'a offert donc son premier missel. Donc missel, pareil, où elle apprenait comme moi je le fais aujourd'hui. Et donc c'est grâce à elle, je pense aussi, que j'ai voulu avancer aujourd'hui. Donc après avoir passé le bac, je me suis rapprochée d'une amie avec qui je parlais plus du tout. Mais sa famille, elle est dans la religion et elle aussi. Et je me suis dit, c'est la seule qui pourra m'aider à avancer. Du coup, on s'est recontacté par rapport à ça. On a repris connaissance, on a reparlé, on s'est dit, ok, bon bah maintenant... Voilà, on va s'aider mutuellement, c'est l'idée. Et au jour d'aujourd'hui, on vient tous les jours à la messe ensemble. Sa famille, elle m'a accueillie à bras ouverts, elle m'aide dans la foi. Il y a aussi, je pense, mes origines qui m'ont aidée. Juste après le bac, je suis repartie en Italie et j'ai visité énormément d'églises, dont le Vatican. C'était la première fois que je le visitais, c'était pour moi quelque chose d'immense. Et je ressentais toujours quelque chose à chaque fois que je rentrais dans une église et je me suis dit, je suis pas seule. Il y a quelqu'un qui est avec moi et c'est Dieu, en fait, tout simplement. Et voilà, il faut que maintenant je me rapproche de lui. Donc, je ne l'ai pas fait toute seule. Bien au contraire, j'ai rencontré énormément de personnes dans ma vie qui m'ont aidée, ça c'est sûr. Elles sont encore là ou pas, mais elles ont été une étape dans ma vie qui m'aidera toujours. Elles font partie de moi. Et donc, comment je suis rentrée dans l'église? Tout simplement, le lendemain de mes 18 ans, donc je les ai fêtés en famille et avec mes amis. On s'était couchés très tard pourtant. Et le lendemain matin, c'était justement quelque chose de très drôle, la messe pour accueillir les nouvelles personnes qui arrivaient dans l'église. Et ma copine, elle m'a dit, c'est parti, on va y aller. Ça tombe bien en plus, c'est le bon moment. Du coup, je suis arrivée, donc il y a le père Gilles qui nous a accueillis. Et il m'a demandé de porter une lumière jusqu'à l'hôtel. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? C'est la première fois que je viens ici. Non, c'est pas possible, j'étais toute stressée. Je l'ai amené, puis je l'ai posé, puis je suis revenue à ma place et j'ai vu comment ça se passait, comment les personnes étaient heureuses. Je me suis dit, mais en fait, c'est là qui est ma place, je veux être ici. Et
Et c'est ma famille maintenant, c'est comme ça. J'en ai parlé à mes parents et ils m'ont dit, bah écoute, si c'est ça que tu veux, bah on va appeler l'église, maintenant tu vas te faire communier. Du coup, bah aujourd'hui, c'est comme ça que je suis là, que je vous en parle et que j'ai demandé ma première communion, voilà, tout simplement. Puis j'aimerais aussi faire passer un petit message pour moi. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on devrait cacher notre foi, bien au contraire. Laissez-la parler, laissez-la venir et parlez-en avec les autres parce que vous verrez qu'au final, bah, il y a beaucoup de personnes qui vous ressemblent. Il ne faut pas rester seul dans des moments comme ça parce que même Jésus l'a fait, il était entouré de beaucoup de monde et c'est à notre tour de faire pareil maintenant. Voilà. La confiance, c'est aussi celle de tous les salariés et bénévoles du Secours catholique qui osent, parce qu'ils font confiance à tous les humains, même les plus pauvres d'entre eux, se mettre à leur service. Au-delà de toute forme de difficultés et obstacles, ils sont là, présents à l'humain le plus fragile, pour que se vive ce qu'ils appellent la révolution fraternelle. Avouons-le, il en faut quand même une bonne dose de confiance pour oser cette mission. Il en faut de la confiance pour respecter, comme Dieu, la liberté de chaque personne. Dans la parabole, il confie des talents, mais ne dit pas ce qu'il faut en faire ou comment faut-il s'y prendre. Cela appartient à chacune, à chacun. Dieu nous laisse libres, il nous fait confiance. Ainsi, pour respecter cette liberté, le Secours catholique ne veut pas faire à la place, mais avec les personnes, en donnant aux plus fragiles le pouvoir de reprendre eux-mêmes leur destin en main. C'est Françoise, ici présente, responsable de l'aumônerie des collèges et lycées, qui disait lors de la préparation « Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner. » Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner. Tout au long de l'année, les bénévoles du Secours catholique, dont c'est la journée nationale, rencontrent et écoutent et agissent avec les plus pauvres. Ils accompagnent des familles, des enfants, des personnes seules, à travers un apprentissage du français, d'un groupe convivial, dans l'accompagnement à la scolarité, dans l'aide pour les démarches administratives, et j'en passe. Pour ce nouveau confinement, le Secours catholique reste mobilisé aux côtés des plus fragiles en mettant en place des formes de fraternité dans le respect des consignes sanitaires. C'est difficile. Il est important, en effet, de maintenir un lien fraternel avec les personnes les plus fragiles. Des chaînes de solidarité se créent dans des équipes locales. Plus que jamais, nous sommes toutes et toutes invités à être acteurs de fraternité. Et tout cela demande la confiance. Nous avons tous remarqué, dans la finale de l'Évangile, le drame de celui qui, ayant reçu un talent, a eu peur. « J'ai eu peur, dit-il, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » La période que nous traversons peut parfois nous entraîner dans cette peur. La Covid, les attentats, le réchauffement climatique, la méfiance dans les institutions, que sais-je encore. Attardons-nous sur la situation de ce serviteur de la parabole qui dit « j'ai eu peur ». C'est là où Jésus voulait en venir en nous racontant cette parabole. Comment passer de la peur qui est toujours infructueuse à la foi, la confiance qui est toujours féconde. Qu'est-ce qui motive nos choix? Qu'est-ce qui motive nos engagements et nos solidarités, que ce soit dans l'Église ou dans le monde? Entre la peur et la confiance, choisis la confiance. Tout est là. Et d'ailleurs, il n'y a de responsabilité vraie que dans la confiance. C'est ce qu'ont compris les deux premiers serviteurs de la parabole. C'est ce qu'ont compris ces jeunes qui osent, comme les autres sur nos paroisses et dans leur mouvement, faire ce long chemin vers le Christ.
C'est ce qu'ont compris celles et ceux qui, au cœur des tempêtes de la vie, gardent confiance en Dieu et dans les êtres humains. Grâce à cette foi, grâce à cette confiance, ils s'attachent à voir ce qui germe plutôt que ce qui dépérit. Enfin, frères et sœurs, rappelons-nous que la confiance vient toujours d'une relation. Nous ne pouvons vraiment faire confiance qu'à partir du moment où nous avons fait l'expérience d'une relation, où quelqu'un nous fait confiance. Pas de confiance sans relation. Et dans la foi chrétienne, nous pouvons faire confiance parce que Dieu le premier nous a fait confiance. Nous pouvons aimer parce que Dieu le premier nous aime. Cette confiance que Dieu nous fait, cet amour qu'il nous offre, doit devenir le moteur de nos vies données au service de cette humanité en quête de sens et d'espérance. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Et cette foi que nous allons proclamer ensemble, faisons en sorte qu'elle soit toujours vivante en cette journée mondiale des pauvres. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le monde entier, nous prions de manière universelle. De par notre baptême qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois, offrons la louange des peuples à notre Seigneur. Pour les chercheurs, inventeurs et ingénieurs du monde entier, afin qu'habités par la sagesse de Dieu, ils mettent leurs découvertes au service d'un monde plus fraternel, celui qu'appelle de ses voeux notre pape François. Ensemble, prions notre Dieu. Chrétiens qui s'engagent dans le service des plus pauvres, notamment en cette période de pandémie et d'incertitude économique, demandons au Seigneur qu'il les rende forts et pleins de confiance et d'espérance afin qu'ils témoignent de l'amour de Jésus, le Sauveur du monde. Ensemble, prions notre Dieu.
Pour ceux qui doutent de leur talent et pour ceux qui restent inactifs ou endormis face aux appels de leurs frères, prions le Seigneur qu'il les emplisse de sa lumière afin que, par le réveil de leur foi, ils deviennent pleinement acteurs du royaume de Dieu. Ensemble, prions notre Dieu. Pour notre communauté, dispersée par les mesures sanitaires, demandons au Seigneur de répandre sur ses membres les dons de son esprit, pour qu'elle garde le sens de la communion et s'ouvre au monde en se mettant à l'écoute des autres, particulièrement des plus fragiles. Ensemble, prions notre Dieu. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élève nos prières. Pour l'Église que tu combles de tes dons, afin qu'elle annonce avec joie que Jésus est l'espérance véritable de paix et de bonheur pour notre monde, en proie aux injustices et aux violences diverses. Ensemble, prions notre Dieu. Nous ajoutons à cette prière celle que vous portez chez vous, dans votre cœur. Oui, Seigneur, tu nous fais confiance, et c'est vers toi que nous nous tournons pour te confier notre prière. Qu'elle soit féconde par le travail de ton esprit toujours offert, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni sois Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité, de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne, fruit du soleil, fruit du travail des hommes et des femmes, nous te le demandons et nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père, et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi,
avec les anges et tous les saints. Nous louons et nous te bénissons. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec François, l'évêque de Rome, avec Michel, notre administrateur, Olivier, notre futur évêque, et toutes celles et ceux qui ont charge dans ton peuple pour que ta famille puisse rejoindre le plus éloigné de ses frères et sœurs. Nous te confions les malades de nos communautés. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
celles et ceux qui nous sont confiés ce jour. Celles et ceux que nous avons accompagnés la semaine dernière dans la prière des funérailles, grâce à des bénévoles qui président ces célébrations. Et nous te confions celles et ceux que nous accompagnerons cette semaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes, nous puissions te rendre grâce tous ensemble et pour toujours. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cette prière, elle est dense, elle est profonde, elle est unique. C'est la prière de notre famille chrétienne. Nous allons la chanter. Que ton règne vienne.
Délivre-nous, Seigneur. Offre-nous ta paix. Elle va vaincre toute peur. Tu l'as donnée jadis à tes disciples, cette paix. Tu la donnes encore aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Parce qu'il nous fait confiance, il vient jusqu'à nous. On ne peut pas se faire plus proche que se donner en nourriture. Voici dans nos mains l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
de communier, mais nous savons qu'il existe plusieurs formes de communion. La communion fraternelle, la communion solidaire, la communion du service, la communion de l'attention. Nous te prions que cette Eucharistie offerte en mémoire du Seigneur, comme il nous a dit de le faire, ouvre nos cœurs à la confiance et à la charité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu très bon et qui nous aime nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons remercier toutes celles et ceux qui ont préparé cette liturgie et qui l'ont animée. C'est pour vous qu'ils l'ont fait et pour le Seigneur. Ne nous quittons pas sans chanter. Allez, dans la paix et dans la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu.